sur la manette quoi. Ah ouais, ouais. Trop bien. Genre sur le. Entre les deux trucs que t'attrapes là. Ah, il les met là. Bien, puis, ça, en vrai. Si tu l'allumes et tu l'éteins. En vrai c'est très très stylé. Bref. Nous sommes en winner quarter, évidemment, si je dis pas de bêtises, effectivement. Bref, du coup, les deux joueurs DC, Sourif versus Spar, SNB de son, SNB de son équipe. J'ai l'impression que notre ami Sourif est vraiment on point sur les petits confirmes du review là. Ouais, ouais, ouais. Là, en effet, Sourif, on le connaît très très bien pour son, pour son Wii Fit main. Mais. Peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas pour sa capacité oh là là à jouer Ryu. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a poussé? Il l'a poussé. Oh vrai. Non! Ah, c'est terrible. Oh non, c'était la stock! C'est quoi qui brèche comme ça? C'est un strong. C'est le strong F-tilt. Strong F-tilt, ouais, c'est ça. C'est le strong F-tilt qui est. Bah, en fait, c'est vraiment. En fait, c'est comme dans Street Fighter, en fait, c'est un move qui perce la garde en fait sur okay, le jeu. D'accord. Et vraiment, qui fait de même hein, sur Smash Bros, forcément. 99% du côté de Sourif, on a bien rattrapé le retard pour Spar, qui, contre toute attente, a décidé de sortir un Pokémon Trainer, on perd la stock. Alors, j'ai eu l'occasion de voir Sourif ce week-end à Valence en ski. Il est vraiment impressionnant son Ryu. Hein. Je pensais pas qu'il avait si bien taffé en fait. Très très solide, hein. Très très solide. 127% côté d'ici. On est pas tous les. Oh, il est solide, hein. What the fuck? Ok. Mais c'est son main en fait. Bah, honnêtement, je pense que c'est vraiment un hidden boss, un hidden character. Oh, il est bien vu, c'est. Ça, c'est petit coup de feu. Ça, franchement, ça fait plaisir. La spéciale Nono. Ouais, c'est ça. Si vous connaissez le Colors, vous connaissez forcément ces petits bouts de feu. Le Sandy qui va aller récupérer la deuxième stock de Spar. On est plutôt pas mal hein, côté Sourif. Hein. Là, franchement, je vais garder le stage contrôle, attendre tranquillement, il va punish et ça devrait bien se passer. En fait, ce que j'aime beaucoup sur Sourif, c'est que vraiment, il arrive vraiment à. Je sais pas comment dire, parce que c'est vrai que malheureusement, Ryu c'est pas un personnage que je connais forcément très très bien. Mais en fait depuis tout à l'heure ce que je vois c'est que il a vraiment bien conditionné pour pouvoir placer le move qu'il veut et tout simplement à mettre une grosse pression sur le shield en fait de l'adversaire. C'est monstrueux sur le shield apparemment. Bah, clairement c'est exactement ce qui est en train de se passer et pour le coup c'est franchement c'est impressionnant ce qu'il nous fait parce que au final je pense que ce qu'il fait avec Ryu, il le ferait presque moins bien avec Wii Fit au final. Après je ne sais pas, je ne connais pas le truc, on trouve quand même un smash du côté de Spar qui va aller récupérer la tête, mais on est quand même à 131%. Je sais pas si t'as vu juste avant, il a esquivé le Shoryuken en switchant de Pokémon en faisant un up smash pour punir directement après, c'était plutôt smart. Il est si intelligent, il est si fort ce joueur et ça va trouver le back air. On va récupérer back air la. Qui tue quand même. Mais oui. Ultra puissant ce. Ça fait combien de temps qu'il joue? 2 semaines? 3 semaines? Peut-être un mois? Je pense un bon mois. J'en entendais parler depuis un moment. Et... Bah putain, un mois de Ryu et on arrive en quarter finale et on met un. Bonne sauce hein, quand même sur Spar. Ce qui fait peur avec le perso c'est que tu peux pas le cross-up parce qu'il va toujours se retourner en fait, il sera toujours en face de toi. C'est ça. Et il va mettre une pression monstrueuse sur ton shield. C'est ça. Et le truc c'est que tu peux pas. Enfin ça sert à rien de cross-up parce que du coup il y aura pas de. Il n'y a pas besoin de le cross-up en fait parce qu'au final il va se retourner automatiquement. Et c'est comme les Shoto, donc c'est exactement comme Terry aussi. Comme Terry, comme Ken. Donc c'est les trois seuls personnages qui ont cette capacité. Mais capacité énorme au final. Capacité vraiment ultra forte qui t'oblige à jouer différemment, qui t'oblige à jouer face à face à ton adversaire. On part sur l'Ilat, SNB Spar qui sort son plus grand Wolf. Il sort le perso sur le stage qui va bien. C'est ça. On va dire que c'est un match à thème. Qui est meilleur sur le jeu de zone là? Parce que Spar il est extrêmement patient avec son Wolf, mais avec les Hadouken, pardon. Vraiment, qui c'est qui. Voilà, pour l'instant, c'est. Surtout que Sourif, tous les. Tous les Hadouken rouges, je sais pas comment ils s'appellent. C'est ceux-là, les trois Hadouken. Les trous, voilà, les trois Hadouken, on les trouve quand même. Le petit Sadmi qui va pas tuer, mais par contre qui envoie très très loin. Hein. Je pense que le prochain il pourrait tuer à tout ce quand même à son shield. Sourif qui va se faire avoir un petit peu là-dessus. On trouve le backer. Mais t'as vu comment il est patient ce soir sur le stage avec ce Wolf. C'est vachement amélioré. C'est vachement amélioré avec ce Wolf. Il trouve vraiment des très très bonnes phases. On savait que ce soir avant il était un petit peu, on va dire peut-être un petit peu pressé avant sur son. Il bourrait un petit peu, il était un petit peu pressé sur son wolf. Aujourd'hui il est beaucoup plus patient. On retrouve quand même le side B de Sourif. La puissance du side B c'est incroyable. Ah oui, franchement il envoie extrêmement loin. Et franchement honnête hein.
honnêtes les deux joueurs. Franchement, c'est très très agréable à voir comme partie. T'as pas le droit de te précipiter sur lui en fait. T'as pas le droit. T'as pas le droit de jouer contre lui sans t'es. Je pense qu'en fait tu prends la prime data dans la gueule en fait. Parce que vraiment, non seulement tu peux parier plus facilement. Alors je sais pas s'il y a plus de facilité à parier sur, sur Ryu. Mais en tout cas, alors, le fait de parier avec les Shotos, donc Ryu, Ken, etc. Ça te permet en fait, ça t'ouvre plus de possibilités. Et ça t'ouvre plus de possibilités tout simplement pour contrer l'adversaire. Bref, je trouve quand même. La focus est vraiment fort. Surtout que je crois que Wolf il a aucun multi, donc il peut jamais contester. Pas dans les airs en tout cas. À part le MB, ouais. Mais à quel moment tu vas utiliser le MB quoi, tu vois. Personne ne va faire ça. À part en rayon. C'est dit. En plus maintenant je crois qu'on peut cancel les forward smash. Oui, non le smash. C'est down smash. Down smash de Ryu, tu peux cancel. En fait tu fais down smash cancel set B. Et en fait tu pars super loin en fait. Ça fait partir ton set B. Ouais, ça donne un momentum en fait. Je crois que ça donne un gros momentum et du coup tu pars super loin. Et au final c'est. Et les gens au début pensaient que c'était un bug, et au final pas du tout. C'était vraiment. Je sais pas si c'est voulu ou quoi, mais en tout cas c'est. Ça fait partie du jeu maintenant. Voilà, maintenant ça fait partie du jeu au final. Donc maintenant c'est des choses avec lesquelles il faut s'adapter. Attention quand même à ce set B. C'est bon, on va pouvoir remonter tranquillement. Trop bien la focus pour se déplacer aussi, ça donne une petite mobilité en plus pour le perso. Ouais. On trouve les grabs quand même du côté de Spar. Spar quand même qui arrive quand même à se défendre hein, mine de rien face à ce Ryu. On va trouver les petits nerfs qui vont repousser. Et ça y est pour un smash joué, qui va tuer. Bien vu ça. Très bien vu. Le pop-off de Spar. Ah mais là. Son Wolf est clairement d'un autre niveau par rapport à son PT. Hein. Vraiment, il est incroyable aussi. De là à dire qu'il a sorti PT pour tester le Ryu sur les games d'avant, il n'y a qu'un pas. Moi je pense qu'en effet, on fait bien de garder Ryu, Wolf, du côté de Sfar. Parce qu'on sait que, enfin forcément, voilà. Il est confiant avec en fait. Ouais, voilà. C'est un pic de confort, c'est son main. Franchement, il n'y a aucune raison de ne pas le prendre au final. Et la preuve en est, parce qu'il a bien mis la pression à Sauf, il a remporté le match d'une très belle façon. En effet. On va voir si ça continue dans cette lancée. On va rester sur l'Aylat apparemment. Pas du tout. Smash ah, vide. Qui resterait deux fois sur l'Aylat? Personne. Moi j'aime bien l'Aylat en soi. Moi j'ai rien contre l'Aylat. Moi je la déteste. Mais c'est comme 80% des joueurs Smash, ils détestent l'Aylat. Mais moi j'ai une raison pour la détester. Ouais, parce que tu joues Peach. Parce que tu peux pas faire de combo avec les dot titres, etc. Oh c'est chiant. Et genre le side B des fois il s'accroche pas, il snap pas l'edge. Du coup tu tombes tout seul. C'est l'histoire. Bref, un partout. Dernière game. Nous sommes repartis messieurs dames. Mais sur Smash, lui, en effet. Map beaucoup plus petite. Je sais pas si ça a un intérêt que ce soit petit, mais tu vois, vraiment, c'est ce qu'on disait. En fait, du coup, Sfar il a cross-up, et au final, le souris il a juste bourré d'autres sites, et ça s'est retourné automatiquement. Mais je pense que c'est un avantage d'avoir une petite map contre Wolf, parce qu'il a pas le temps de zoner, et puis Ryu et Ken au corps à corps, bah c'est trop fort. T'as vu, mais sur cette pique, avec le point, il part vite. Enfin, il envoie loin, je veux dire. Il a un super knockback et il tue genre à quoi 130, 140% ça là il a 147, le prochain il tue hein. Oh là là, on voit qu'il a croqué avec un. Regarde, ça dit. Ah putain la DI il est parti. Alors la DI en fait elle est. Oh là là, ça c'est dommage, il a pas pu remonter malheureusement. Petite perte de concentration là-dessus. Ouais. Mais c'est bon là on se refocus du côté de Spar. Attention quand même à pas trop prendre de 3 à 2 ken. On essaie de percer la garde hein, sur ce F-Tilt. Notre cher ami Souris, il est on point sur les vrais coups en fait de Ryu, tu vois. Ouais. Avec les sticks mouvants, etc. Oh là, down tilt side B quoi, vraiment. Par contre ce que j'arrive pas à analyser c'est comment en fait à quel moment en fait le side B en fait va envoyer directement en haut ou enfin en perpendiculaire haut, soit dans les diagonales en fait. Parce que tu vois par exemple, regarde, là tu vois il a tué, ouais. Alors qu'il y avait un moment il avait touché et en fait il était parti directement en diagonale, Sfar il avait plus de DI. Donc là c'est quelque chose qu'on demandera à Souris tout à l'heure. C'est quelque chose que j'ignore malheureusement. Je pensais que c'était sur le premier hit qui partait perpendiculaire, mais non du coup. Là c'est une grosse avance pour Souris. D'essayer de repousser et de jouer la focus. 156% à toucher, c'était vraiment bien dans sa game, hein, franchement, c'est vrai. 156%, il est encore sur sa première stock. Hein.
Il a encore ses 3 stocks, hein, Souris. Il est vraiment très très bien. Il attend. Attendre, en fait. Il attend tranquillement. Spark, qui, j'ai l'impression qu'il commence un petit peu à perdre sa chance. Ouais, bon, ouais. Ça va, tranquillement. On attend tranquillement. Attends, Panda, il nous a dit en fonction de si tu appuies fort ou pas sur le bouton, Antonio. Ah, très bien, on nous dit dans le chat. On nous a dit ça dans le chat, très bien. Ça te dit. Oh là là. Ça, oh, bien tech. C'est super dur. Ça tuait, je pense. Je pense que ça tuait. En tout cas, ça m'était vraiment très très mal. Quoi. Oh là là. Ça va pas tuer. Hein. Oh, mais ah, c'est... Bon, là, c'est bon. Ça va tuer. Très très bien joué de la part de Souriv qui bah, nous montre quand même un super match. Nous montre quand même un Ryu impressionnant, hein. Et très très correct. Je suis ultra